Lucky McKee est un réalisateur très cher à mon cœur, malheureusement trop peu présent. May, son premier long métrage, est une œuvre des plus étranges, entre teenage movie, comédie noire et slasher à la lisière du fantastique, qui narre, avec beaucoup de sensibilité, les tribulations amoureuses de sa très attachante fric, qui, progressivement, va sombrer dans une folie irrésistiblement cathartique. Angela Bettis est ahurissante en petite poupée débordant d'inquiétantes étrangetés, dont on épouse le point de vue malsain et poétique sur une réalité qui ne cesse de l'exclure. Elle est une créature fragile et incroyablement touchante, sur laquelle McKee pose un regard plein de compassion, malgré la trajectoire meurtrière qu'elle prendra au cours du troisième acte, la destruction des corps menant à la création d'une forme de nouvelle chair, Cronenberg n'est pas loin. Il y a donc quelque chose du body horror, mais ce n'est pas la seule référence. De Argento à Carpenter, McKee orchestre une bouleversante déclaration d'amour au cinéma fantastique, mais ne se fait jamais dévorer par ceux qui l'admirent. Il pose d'ores et déjà sa patte, si singulière, qu'il n'aura de cesse de travailler dans ses futurs, mais trop rares, projets. May est un petit bijou au cœur duquel se côtoient tendresse et brutalité, drôlerie et tragédie, légèreté et cruauté. Un film de monstre qui souffle continuellement le chaud et le froid pour mieux distiller un malaise viscéral jusqu'à un final paradoxalement presque apaisé, doux, qui ramène aux mythes et images fondatrices du fantastique avec beaucoup de candeur et d'innocence.